Cette journée, ça ressemble un peu comme un mauvais réveil. Il y avait pourtant tout qui allait bien. L'océan Indien, compliqué, difficile, froid, rude. Du soleil, des grains, de la neige. Le bateau qui va vite. Une équipe avec un enthousiasme incroyable. Je sentais même certains se découvrir et découvrir l'environnement et se libérer dans ce qu'ils étaient venus chercher avec moi et avec ce projet Sodebo dans ce fameux Grand Sud. Ça allait vite depuis le début, hein. On n'a pas franchement eu de moment où on a ralenti. Et ça, c'est le secret du Jules Verne. Être tout le temps régulier, avoir une vraie dynamique et une vraie régularité par rapport à une équipe qui avait pris le sens et la mesure du projet, à la fois dans son professionnalisme, dans sa rigueur, dans ses routines, dans sa complémentarité, mais avec ce bonheur d'être ensemble, ce vivre ensemble qui m'est cher, cette dynamique qu'on a créée ensemble depuis plusieurs mois et qui s'épanouissait et ressortait là dans cet Indien qui était loin d'être fini et qui allait être compliqué, mais qu'on abordait avec la rage. On a gagné ça avec cette équipe, d'avoir plus que l'envie, c'est d'aller la chercher. Et puis hier, dans un contrôle de routine, après une réflexion de François Morvan et de Mathieu Vandamme sur leur car qui avait été dur et difficile à la barre, dans des vents forts, au portant, on a découvert qu'on avait un problème de direction. Un problème de safran, de gouvernail, et qui était plus sérieux qu'on ne le pensait au départ, et qu'il était plus possible de continuer à diriger le bateau avec les mêmes ambitions, mais surtout la même sécurité. C'est des bateaux difficile à mener, c'est des bateaux complexes à mettre au point, c'est des bateaux pionniers. On est pourtant arrivé à un équilibre là sur le bateau Sodebo en très peu de temps, où on arrive vraiment à être vraiment en maîtrise du bateau, en essayant toute sécurité dans cet habitacle, avec une vraie efficacité. Mais il faut que tous les paramètres soient réunis pour ça. Et donc prendre cette décision d'arrêter à mi-chemin quasiment, ça a été pour moi c'est plus qu'une déception. Quand vous êtes dans cette spirale, quand vous vous sentez pris par quelque chose qui vous prend les tripes et que tout le groupe a cette même atmosphère, arrêter ça, c'est arrêter quelque chose de trop beau, quoi. J'étais pas dans la projection ni la perspective même de juste de battre le Jules Verne. J'étais de continuer à vivre tel qu'on était en train de vivre ce moment-là et cette expérience-là et ce voyage qui était tel que je l'avais imaginé avec le groupe qu'on a formé là. Et j'avais pas envie que ça s'arrête. Voilà, j'avais pas envie que ça s'arrête. C'est beaucoup d'énergie, hein. Et moi, j'avais effectivement mis cette année 2020 complexe, difficile pour beaucoup de gens, sur cette tonalité de l'humain, cette tonalité d'aller vivre autre chose dans cet environnement que j'adore, qui est le mien, qui est là où je me sens heureux, et j'avais envie de le partager. Et là, je le partageais. J'étais dedans. Avec certains en transmission, avec des plus jeunes qui n'étaient jamais venus. Avec des plus briscards qui finalement, avec qui je retrouvais un regard qui est le même et un équilibre. Ouais, c'est ça, de pas avoir envie que le film s'arrête là, quoi.
C'est vraiment une école d'humilité, mais... Mais c'est un peu trop fort à payer, là. Donc on est déçu. Je suis très déçu. Je suis pas abattu parce que... C'est une évidence que... On y reviendra. C'est une évidence que... On a un groupe pour le faire, on a un bateau pour le faire, on a un partenaire qui veut bien y retourner aussi. Donc l'avenir est devant nous, on réécrira d'autres histoires. On continuera celle-là, je pense. On va pas refaire une autre histoire, on va continuer celle-là, tellement celle-là, elle a bien démarré. Et je crois qu'elle faisait elle faisait écho ou elle faisait du bien à plein d'autres. On est coupé du monde, nous, dans notre capsule, là, dans notre monde. On est coupé du Covid, on est coupé du Trump, on est coupé de la politique. C'est un luxe terrible, je m'en rends compte. Et on essaie de le transmettre que c'est possible de vivre ensemble. Donc, voilà. Merci à vous, en tous les cas, tous ceux qui ont apprécié, qui ont partagé, qui ont aimé vivre ça avec nous. Et je vous donne rendez-vous. C'est pas fini.